Good morgen, allez, Iden, les tutors aujourd'hui, le Nishmat, Mori Rabbi, Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Aouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther et Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier nos prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechat Medachot, Perikhei, Mishnah, Hei. Yesh teunot hagasha, ve'en teunot tenufa. Tenufa velo hagasha, hagasha ou tenufa, lo tenufa velo hagasha. Elo teunot hagasha, ve'en teunot tenufa. מנחת הסולת והמחבת והמרחשת והאכלות והרקיקים, מנחת כהנים, מנחת כהן משיח, מנחת גויים, מנחת נשים, מנחת חוטא. רבי שמעון אומר, מנחת כהנים, מנחת כהן משיח, אין בהן הגשה, מפני שאין בהן קמיצה, וכל שאין בהן קמיצה, אין בהן הגשה. משנת חסם, ça nous fait évoluer davantage maintenant dans l'illustration des מנחות. On a déjà commencé à parler maintenant concrètement des menachot, plusieurs sortes de menachot qu'on va revoir de nouveau dans cette Mishnah, selon la préparation, soit c'est de la semoule pétrie mélangée avec de la levona, de la solette, chaque mincha selon ses instructions. Il y en a qu'il faut faire cuire auparavant, c'était les minchat marchechet, machavat, pitim, toutes sortes de menachot. Selon le cas, la Torah me précise parfois de balancer la mincha, c'est-à-dire le Kohen et le propriétaire qui va porter la mincha vont l'attraper ensemble et vont la balancer, va et vient en haut et en bas, dans les quatre directions, c'est-à-dire, d'accord. Et comme ce qu'on fait avec le lulav, en fait, de la Gemara, on déduit le lulav des shlamim, plus précisément. C'est aussi le même principe de tenufa. Les hanif, faire balancer. Et il y a des menachot où une des avodot, c'est la hagasha. On va prendre la mincha, avant même de commencer à faire le komet, le Kohen va la prendre et va la partir dans le coin dromit maharavit, c'est-à-dire le coin, quand on monte sur le kevesh, le coin en bas, entre le kodesh hakodashim et la rampe, en fait, et la rampe qui monte sur le misbéach, il va aller là-bas dans le coin, et il va poser la mincha et la récupérer. C'est une manière de présenter le cadeau, d'accord? On apporte un cadeau, une mincha, c'est un cadeau, une offrande. Donc on présente le cadeau et puis après on va le reprendre, on va faire le comète, c'est partir le brûler en haut et le reste va être consommé par les convenus en général. Et donc maintenant, c'est ce qu'on appelle. Un, c'est ce qu'on appelle la tenufa, le balancement. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle la hagasha, le fait de présenter. Les hagish, c'est servir quelqu'un. En hébreu moderne, servir un repas, les hagish arucha. Présenter le repas, les hagish. D'accord? Maintenant, la Mishnah m'enseigne. Sache que il y a des menachot où la Torah demande de faire la hagasha, de poser la mincha sur le coin maharavit-dromit, sud-ouest, de déposer là-bas la mincha avant de la ensuite de continuer la voda, tandis qu'elle ne requiert pas de faire le balancement. Tenufa velo hagasha. Il y a des menachot au contraire, il va falloir les balancer, mais sans faire la hagasha, les présenter au coin maharavit-dromit. Agasha ou tenufa, il y en a qui il faut faire la totale, à la fois balancer dans les quatre coins, dans les directions, c'est-à-dire deux en long, en face et en revenant, et en haut et en bas, et garder aussi la tenufa, et j'ai inversé, excusez-moi, agasha ou tenufa, présenter sur le misbéach et après faire la tenufa, ou encore l'autre tenufa vélo agasha. D'accord ? Il y en a qui requièrent ni l'un ni l'autre. Ni tu fais la tenufa, le balancement, et ni tu fais la agasha, tu la présentes sur le misbéach. En allant la poser sur le coin, Maravi Dormit. Et la Mishnah maintenant, les prochaines Mishnahites vont s'occuper de ça, reprendre chaque phrase et les expliquer. Et notre Mishnah va commencer. Elu teunot hagasha ve'enan teunot tenufa. Telles sont les menachot pour lesquelles la Torah a prescrit de les présenter sur le coin, mais pas de les balancer. Et de préciser, le même groupe qu'on avait vu dans la Mishnah précédente, je crois qu'il y en a six, les six premières, qui sont minchat, le plus même, minchat asolet. La mincha que l'on apporte alors qu'elle est encore solette, qu'elle a été juste littéralement en semoule, pétrie, mais pas encore cuite au four. Cette mincha-là, il faut faire la gacha, mais sans faire la tenufa. Ve'amachavat, ve'amachreshet, ce sont les deux types de poils, c'est-à-dire, avant de faire la mincha, tu vas ensuite les faire en petit pain, que tu vas faire frire soit en huile profonde, soit en huile de bas niveau, de manière à ce que ça va devenir plus croustillant. D'accord ? Amachavat v'amachreshet. Ve'achalot v'arekikin. Ce sont deux types de minchat ma'afé.
Cette fois-ci, c'est la mincha que tu ne fais pas à la poêle, mais que tu fais au four. Tu la fais au four, et de deux manières, soit en chalot, soit en rikikin. Je ne sais pas si ça change dans la forme du pain elle-même, mais en tout cas dans la composition, ça change. Est-ce qu'il faut inclure l'huile dans la pâte avant de le faire cuire, ou au contraire le faire cuire sans huile et étaler de l'huile ensuite après cuisson, comme on verra dans la chaîne tout ça dans la suite. De même aussi pour la minchat kohanim et minchat kohen mashiach. Les kohanim qui apportent eux-mêmes une mincha, alors on a déjà dit, la Torah prescrit que les kohanim devront brûler entièrement cette mincha. On avait même expliqué le principe qu'ils vont faire un cadeau, ils vont le faire les kohanim entièrement, pas apporter un cadeau à Hachem, duquel ils vont donner quelques petits grains et eux-mêmes manger tout le reste. C'est pas digne. Donc, minchat kohanim et minchat kohen mashiach, ce sont deux menachot, deux oblations qu'il va falloir faire la hagasha, présentée sur le coin, maravid romit, mais pas de tunufa, là aussi. Et idem aussi pour minchat goyim. Le goy qui va porter la mincha, on va lui faire faire la tunufa. On va lui faire la hagasha de cette mincha. Bon, on va pas faire la tunufa, on va pas la balancer. Et idem aussi pour la minchat nashim. Une mincha qu'une femme va apporter, il n'y a aucune différence entre la femme et l'homme sur la mincha, même si la Torah a utilisé le mot ish, on aurait pu se tromper. La Torah et la Gemara vient précise non, les femmes ont le même statut que les hommes de ce côté-là, et ish, c'est pour inclure les goyim, comme ça a été mentionné juste avant. Mincha troté, idem aussi pour la mincha d'un choté, c'est-à-dire un corban olé veyored, quelqu'un qui entre par exemple le bétamigdash alors qu'il est impur, s'il est pauvre et qu'il n'a pas les moyens d'apporter ni même un mouton, ni des volailles, et pour apporter une mincha, cette mincha-là, il faudrait lui faire la hagasha, présentée sur le coin Marie Dromit, mais pas de tnoufa, de balancement. Rabbi Shimon Omer, minchat kohanim ou minchat kohen mashiach, je ne suis pas d'accord avec toi sur deux choses, Tanakama. Sur ce que tu as mentionné, la minchat kohanim, la mincha, l'oblation que le kohanim apporte, qui est donc consumée entièrement sur le mizbeach, et minchat kohen mashiach, idem, même principe, la mincha du kohen mashiach, en bahen agasha. La Torah, il n'y a même pas besoin de leur faire la agasha, de les présenter sur le coin. C'est-à-dire, tu ne leur fais rien. Ni tu fais la agasha, ni tu fais la tnoufa. La tnoufa, je suis d'accord avec toi, Tanakama, on ne va pas faire le balancement. Mais même le fait d'aller la poser sur le misbéach avant de la faire brûler. Pourquoi ? Il nous précise la raison, Rabbi Shimon, c'est des juifs de psukim en fait. Mais peneche en bahen kimitsa. Car il n'y a pas dans ces menachot de mitzvah, de faire la kmitsa, de prélever un échantillon. Et de ce fait, il y a une règle qui déduit de psukim, v'chol she'en bahen kmitsa, en bahen agasha. Et toute mincha de laquelle je ne t'ai pas demandé de prélever une pincée en échantillon pour aller la brûler sur le misbéach, alors il n'y a même pas besoin non plus de faire la agasha. C'est déduit de psukim dans le Tiferet, dans le Tosfot Yom Tov, il rapporte longuement les sources. J'ai juste histoire de donner un petit peu plus d'allure à tout ça. Selon le principe que j'avais rapporté au nom du Ramban et du Rambam dans le Borei Nevuchim, qui explique pourquoi les kohanim doivent brûler entièrement la mincha. Le principe, il est que tu fais un cadeau à Hachem, tu fais un beau cadeau à Hachem. Un étranger qui apporte un korban, alors il fait lui un cadeau à Hachem. Hachem, une fois qu'il récupère la mincha, alors il a demandé bon, donne-moi un petit peu et je vous fais cadeau du reste. Donc ça s'appelle Mishulchat Gavo à Kazahou. Eux-mêmes ont, les kohanim ont reçu ça depuis la table d'Hachem, quelque part, comme si Hachem, en machal, on pourrait dire qu'Hachem, il est assis à une table, il reçoit un bon repas, on lui donne un petit peu, et il donne le reste au Kohanim. D'accord ? Alors qu'un Kohen qui apporte lui-même la mincha, imaginez, je continue sur mon machal, comme c'est joli, j'ai maintenant un beau ministre qui va porter un beau cadeau au roi, et le roi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner au roi un petit bout, et il va récupérer lui le ministre pour manger tout le reste. Il va dire, mais je ne comprends pas, toujours, tu es d'accord avec moi que c'est comme ça que je fais toujours. Tu reçois un beau plateau avec un beau poisson et des petits légumes là-bas, tu manges un petit peu et tu me donnes le reste. Et bien c'est ce que j'ai fait, je t'ai donné un énorme plateau, je t'ai donné un petit peu et puis j'ai pris tout le reste. Vous comprenez que ce n'est pas digne du tout. Toi, tu ne te fais pas des cadeaux à toi. D'accord ? C'est-à-dire, ce que toi tu apportes, tu ne vas pas toi récupérer ce que tu apportes, sinon ce n'est plus un cadeau. Selon le même principe, je me suis dit que on peut joliment expliquer le principe de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il nous dit, tu fais la hagasha, tu présentes la mincha dans le Keren Maravid Romit, tu fais que pour une mincha de laquelle tu as prélevé un kometz, mais pas pour une mincha de laquelle tu n'as pas prélevé le kometz. C'est-à-dire des menachot qui vont être brûlées entièrement. Alors quand elle va être brûlée entièrement, il n'y a pas besoin de la déposer sur le misbéach. Tu vas la donner entièrement au misbéach. Les menachot qu'il faut poser sur le misbéach, c'est uniquement les menachot où tu vas donner au roi, mais après tu vas le récupérer, tu vas laisser un petit peu, un petit échantillon pour le roi et tu vas manger toi tout le reste.
Là, tu fais l'agacha. Mais une mincha qui va être consumée entièrement, il n'y a pas besoin de faire l'agacha. Même si c'est déduit de pasouk, je pense que ça permet de bien comprendre d'exprimer un petit peu le principe. Pourquoi une mincha qui va être consumée entièrement, il n'y a pas besoin de faire l'agacha. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Slacha kol tov, c'est là.